Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça c'est une vidéo achat avec pas mal de trucs, essentiellement du PS5, PS4, un petit peu de PS3, du Switch et un petit jeu DS. Donc tout soit neuf qui viennent d'Amazon quasiment, ou bien deux petits achats en cash. Donc, on va commencer tout de suite avec le jeu DS, qui est un jeu de rythme sur DS. Qui n'est pas très rare ni quoi que ce soit, mais que je n'avais pas, c'est le Rhythm Paradise. Donc je l'ai pris parce que il était vraiment dans un super état. C'est le genre de jeu qu'on voit assez régulièrement, mais qui est souvent poncé ou pas en très bon état. Donc là, c'était l'occasion de me le choper, un petit jeu de rythme sur la DS qui joue beaucoup au stylet. Donc voilà, franchement, pourquoi pas, c'était 5 euros, donc j'ai pas hésité, il est complet, excellent état. Vous voyez, il n'y a pas une raie ni quoi que ce soit. C'est que la jaquette avec l'effet brillant, ça rend vraiment très très bien. Pour commencer, très cool. Dans le même cache, j'ai trouvé un jeu PS3 qui me manquait. Donc j'essaie de prendre quand même pas mal de jeux PS3 encore. Ça devient de plus en plus dur d'en trouver des petits jeux peu communs. Celui-ci par exemple, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. C'est le Ratchet & Clank Cracking Time. Donc je pense que c'est le premier qui est ressorti sur PS3 après la quadrilogie sur PS2, il me semble. Et je sais qu'il y en a pas mal sur PS3. Il y a le Q-Force, il y a celui-là, il y en a encore quelques-uns, je sais plus. All-in-One, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y en a plein. Franchement, donc là, celui-là, je l'ai chopé aussi. C'était 7 euros dans un très bon état. Donc Ratchet & Clank, évidemment, jeu d'action-aventure avec Ratchet et son ami Clank, le petit robot. Donc voilà, moi j'ai fait l'épisode PS5 il y a quelques semaines, moi. Et bon, voilà, j'ai vraiment comme objectif de tous me les prendre parce que j'aime beaucoup la licence. Donc voilà, complet aussi, bon état, franchement, il n'y a pas de souci. Le petit manuel qui est vraiment très très joli. Donc voilà, pour le prix, je n'ai pas hésité du tout. Ensuite, on va enchaîner avec un jeu PS4. Donc là aussi, c'est un petit jeu un petit peu spécial parce que pas distribué par chez nous, mais dans une version internationale distribuée en Allemagne. Donc c'est le Digimon Survive. Bandai Namco, ils nous ont fait un peu dernièrement des petits coups comme ça pour le public français et européen de manière générale, parce qu'ils distribuent pas leurs jeux partout. Donc il y a ce Digimon Survive qui est concerné, il y a le Clonoa, donc la compilation des deux. Donc nous, il n'est pas sorti en France, mais il est sorti en Allemagne et il est sorti aussi en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Et ce Digimon Survive, moi je l'ai chopé en Angleterre sur Baze, parce que chez nous on le trouvera pas quoi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, soit Baze, soit Amazon.de. Le jeu, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu Digimon, le dernier de la licence. Mais là c'est version vraiment sur un échiquier au tour par tour. Donc voilà, ça m'a vraiment bien tenté. Moi le Digimon j'aimais beaucoup quand j'étais petit, en même temps que les Pokémon, etc. Mais depuis je n'ai pas du tout suivi. Donc voilà, j'aimerais même me relancer un peu dedans. J'ai vu quelques gameplays, ça a l'air quand même vraiment pas mal. Le gameplay justement au tour par tour, moi ça me tente vraiment énormément. Il y a beaucoup beaucoup de textes et c'est traduit. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pareil pour le Clonoa, c'est traduit. Et à l'arrière, sur le Clonoa, il y a une version française et l'autre non. Normalement, sur ce Digimon Survive, c'est tous en anglais derrière ou en allemand. Il n'y a pas de version avec le FR à l'arrière. Normalement, évidemment. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous recommande d'aller voir Hamster Joueur qui l'explique très très bien. En général, il donne des bons plans avec justement les covers, comment ils sont à l'arrière, etc. C'est du français ou pas. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça donc sur Base pour 45 euros, il me semble. Et il y avait 1,20 de port. Voilà, pas de risque de douane ou quoi que ce soit. Voilà, je suis très content. Ça sera vraiment un jeu que je me ferai prochainement pour un peu redécouvrir la licence Digimon. Parce que par le fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Ensuite, on enchaîne avec un jeu PS5 qui est en promo sur Amazon.fr. Du coup, c'est le Evil Dead The Game. Donc, en fait, c'est un survival où on est 4 joueurs contre un démon. Donc, c'est uniquement en ligne. C'est le point positif et le point négatif pour moi. Donc, j'y ai déjà pas mal joué, une petite dizaine d'heures. Au final, je jouerai pas plus, je pense.
parce que déjà le matchmaking c'est pas terrible, le jeu il a que quelques mois et pourtant il y a déjà plus énormément de monde dessus. Donc soit on joue les survivants, où on peut être une équipe de 4, soit on joue les démons. Le but des démons c'est de tuer les survivants, etc. quoi. Il y a plusieurs objectifs dans la map, comme récupérer donc, des fragments de la map, ensuite on doit récupérer un objet spécifique, ensuite un deuxième objet spécifique, ensuite on va au Necronomicon. Si vous connaissez un peu Evil Dead, ça reprend exactement les mêmes personnages, le même lore, les mêmes démons, etc. Donc voilà. C'est uniquement en ligne, c'est le problème parce que ben, y a plus trop de monde dessus. Souvent en survivant, on a du mal à trouver des gens pour compléter l'équipe. Par contre, pour jouer démon, c'est assez simple. Ensuite aussi, je voulais parler un peu de l'équilibrage, parce que c'est vrai que c'est un petit peu moyen. J'ai jamais gagné une partie en étant démon. Les survivants à 4 sont beaucoup plus forts que nous, donc voilà, c'est pas terrible, terrible. En soi, après, c'est bien foutu, parce qu'on peut augmenter nos personnages de niveau pour avoir d'autres compétences, etc. Il y a un système de craft vraiment intéressant dans le jeu qui nous pousse à fouiller. Il y a plein d'objets, on peut utiliser des voitures, etc. La carte est quand même assez grande. Il y a plein de points positifs, mais honnêtement, on fait quand même assez vite le tour. Je vous dis une dizaine d'heures, je pense que là, je retournerai plus. Donc voilà, c'est fait par Saber Interactive, ceux qui avaient déjà fait le World War Z, que je vous avais déjà parlé, qui est aussi dans le même genre, et que j'avais beaucoup aimé. World War Z, on pouvait le faire en solo. Donc voilà, là, au final, il y a 6 missions solo pour débloquer à chaque fois un personnage, et ça s'arrête là. Bon, voilà. Après, je vous le recommande quand même, il a encore baissé là récemment, il est aux alentours d'une quinzaine, vingtaine d'euros. Moi, je l'avais acheté aussi, je crois qu'il était à 22 sur Amazon, de souvenir. Mais bon, voilà, franchement, c'est sympa, mais il n'y a rien d'incroyable. C'est toujours un peu la même sauce, sauf qu'il nous place des skins un peu différents. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec ce type de jeu. C'est dommage. Alors là, complètement autre chose. Donc sur PS5 toujours, il s'agit du Lake. Donc qu'est-ce que c'est Lake ? C'est un petit jeu narratif, un petit peu comme tout ce qu'ils nous font chez Supermassive Games ou ces choses comme ça. Donc en fait là on est vraiment sur un jeu 100% narratif, mais il n'y a pas uniquement des choix, on peut aussi se déplacer un petit peu plus librement on va dire. Et au niveau de l'histoire en fait, donc c'est en 86, une jeune fille qui s'appelle Meredith met sa carte de côté et revient dans la ville de son enfance. Et en fait il y a un lac, le nom du jeu, Lake, et il y a plein de choses qui se passent autour du lac, on peut déambuler autour, etc., faire des espèces de missions à choix, et c'est toujours le même système. Donc évidemment, il y a beaucoup de fins possibles, on peut rencontrer des habitants, etc., enfin, je vous laisserai lire à l'arrière. Il y a beaucoup de fins possibles, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix par le fait, ça nous trace juste l'histoire. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant. Ça a l'air un petit peu différent de ce qu'on peut voir dans tout ce qui est point and click de ce genre, jeu à choix du moins. Et en plus dedans, donc on a une petite carte donc avec toute la région autour du lac, donc je trouve ça assez sympa. C'était pas vendu très cher, une quinzaine d'euros, c'est un petit jeu, hein, donc voilà. Franchement, cool, je me tenterai ça à l'occasion. Toujours dans les jeux à choix, c'est le dernier qui est sorti de la Dark Picture Anthology. Il s'agit du House of Ashel. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Moi, par le fait, j'ai que fait le Man of Medan. J'ai joué un petit peu à The Quarry, mais je ne l'ai pas encore fini. Et pour l'instant, le Dark Picture, j'ai pas fait. Donc ça, normalement, je crois que c'est le troisième. Troisième épisode de l'anthologie. Et là, à la fin de l'année, il y a le quatrième. Donc là, il était aussi en promo à 18€. Donc je l'ai pris. Moi, les jeux à choix comme ça, j'adore ça. Je l'ai fait avec ma copine et on adore. Souvent, sur la Dark Picture, il y en a plein qui critiquent en disant que c'est un petit peu plus faible qu'Until Dawn, etc. Et c'est vrai parce qu'il y a moins de budget. Mais ça en reste toujours très intéressant. Graphiquement, c'est quand même assez beau. Très jouable. Les histoires sont intéressantes. Franchement, ça vaut le coup. Pour une quinzaine d'euros, c'est des jeux qui sortent pas très cher, hein. Ça c'est une trentaine d'euros. Et Bandai Namco, c'est des petits malins parce qu'à chaque nouveau épisode, ils nous sortent une compile avec un petit objet collector des jeux d'avant avec le nouveau. Voilà, comme ça à chaque fois, bah, vous achetez le nouveau plus la compile des autres. C'est des petits malins. Hein. Donc voilà, très sympa en tout cas, je suis bien content. On va enchaîner avec encore un jeu PS5 qui était en promo aussi sur Amazon.
Donc là, un petit jeu aussi. Il s'agit du In Nightmare, donc un petit jeu d'aventure où en fait, donc le, je sais pas comment il s'appelle, le petit garçon, un jeune enfant, c'est pas précisé, il tombe dans ses cauchemars en fait. Donc voilà, il fait souvent des cauchemars et il tombe dedans et c'est tout ce qui lui arrive. Voilà, donc il était vraiment pas cher, c'est un petit jeu qui m'intéresse beaucoup. Avant un petit peu au niveau du gameplay, ça a l'air d'être l'action-aventure, un petit peu horrifique évidemment, mais c'est quand même, on n'est pas dans un Resident Evil quoi. Donc voilà, l'ambiance a l'air en tout cas très 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 intéressante. Donc à l'arrêt, ils nous disent, parviendrez-vous à surmonter vos peurs dans cette aventure cauchemardesque? Voilà, ça donne un peu la couleur. Pour le prix, une quinzaine d'euros, je me suis dit, allez. Ensuite, toujours sur Amazon, un jeu que j'avais jamais entendu parler. J'ai regardé un peu le gameplay, etc. Et ça a l'air très très bien. C'est un jeu de survie. Il s'agit du Ash Walker Survival Journey. Donc c'est un jeu en fait de survie où vous avez une équipe de quelques personnages. Je crois que c'est 4 ou 5. Et on doit en fait essayer de survivre le plus longtemps possible. Sauf que là, il y a un petit côté narratif. C'est pas comme le World is Mine ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, où c'est vraiment lâché dans la nature et on doit juste survivre, etc., etc., avec des missions. Là, il y a vraiment un côté narratif, donc il y a des fins, etc., donc ça a l'air vraiment très très intéressant. Le petit truc aussi sur le gameplay, sur surtout l'aspect visuel qui change, c'est que c'est en noir et blanc, donc là ça a l'air vraiment intéressant. Sur la Switch, ça peut être vraiment cool. Je vois qu'il y a 34 fins possibles, donc ça a l'air vraiment cool. Histoire non linéaire, voilà, ils essaient de nous vendre le jeu. Ça, c'était aussi pas très cher. Petit point positif sur ce titre, on a un petit fourreau carton. À l'intérieur, pas grand chose, une planche de sticker, c'est un petit artbook. Mais franchement, voilà, ça me tentait bien. Je connaissais pas du tout, jamais entendu parler du jeu ni quoi que ce soit. Mais ça sera l'occasion de le découvrir. Ça, c'était quoi au niveau du prix? Je pense que c'était 18 euros, quelque chose comme ça, entre 15 et 20. Donc voilà, regardez sur Amazon, je pense que c'est encore dispo. Et sinon, Day One, j'avais chopé une petite édition collector d'un jeu que j'attendais énormément. Je ne l'ai pas encore fait, il faut vraiment que je me lance dessus. Je l'ai pris sur Switch et j'avais profité d'un très bon d'achat. Il s'agit de l'édition collector du Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Revenge, qui est une suite en fait, hein, qui va nous faire patienter plus qu'autre chose pour la compilation Kawabunga avec tous les anciens jeux. Donc là, on est sur un nouveau jeu. C'est fait par Dontemu. Donc c'est un beat'em all, hein, un peu comme à l'époque. Donc très très sympa. Le jeu, je sais qu'il est excellent, etc. Je doute pas du tout de la qualité. Au niveau de l'objet de ce collector, dedans, on a un masque des Tortues Ninja. Donc c'est sélectionné d'ailleurs aléatoirement entre les quatre. On a un certificat un certificat que c'est un vrai quoi, bref vous m'avez compris. Une petite pièce, la soundtrack en physique avec vraiment un truc sympa avec une, comme si c'était une boîte de pizza, une pizza. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petits pins, une boîte évidemment un petit peu collector. Et on a un petit collier. Voilà, le jeu en physique, et voilà. Donc moi je l'avais chopé sur Micromania, je l'avais préco déjà depuis un petit moment. J'avais profité d'une petite promo où il y avait 10 euros de remboursé, plus j'avais un bon d'achat, donc en gros ça m'est revenu dans les 40 euros, 40-50 euros. Donc voilà, je suis très content, faut vraiment que je me le fasse. Je voulais le prendre à la base sur PS4, et puis je me suis dit sur Switch, c'est vrai que c'est quand même cool ce genre de jeu. Donc voilà. En attendant d'avoir la compilation qui devrait sortir fin d'année, je crois que c'est en octobre, si je dis pas de bêtises. Bah voilà, ils nous ont sorti ça et je suis sûr que la qualité va être excellente. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai fait des bonnes affaires, si vous connaissez les jeux, etc. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!